Monsieur Abdelghani Bounsoud, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, plus de 52 000 hectares de forêt ravagés par les incendies cet été, est-ce que depuis il y a eu une évaluation objective sur l'ampleur de cette catastrophe qualifiée pour cette année d'exceptionnelle? Est-ce que vous en avez tiré aussi les enseignements? Merci madame. Tout d'abord, je tiens à actualiser le chiffre que vous avez. Donc, depuis le début de la campagne, c'est-à-dire depuis le 1er juin, jusqu'au 4 octobre, nous avons enregistré 2791 départs de feu. Ces 2791 départs de feu ont engendré une perte de surface de 53 603. Donc, ces 53 603 hectares de patrimoine forestier se répartissent comme suite. Il y a plus de 50% ont touché la formation forêt. Donc forêt avec 28 690 hectares, maquis avec 10 296 hectares et les broussailles 14 617. Donc on fait une moyenne depuis le début de la campagne. Donc nous avons en moyenne 22 foyers par jour. Et chaque foyer avec une superficie de 19 hectares. Donc si on fait la répartition, si vous permettez, par région, donc comme tout le monde le sait, c'est la partie est du pays qui a été la plus affectée par ce phénomène des incendies de forêt. La région est, nous avons comptabilisé jusqu'à maintenant 44 282 hectares qui ont été provoqués par 1095 feux. Donc c'est 82% des incendies ont été enregistrés, des départs de feu, dans la partie est du pays, suivi par la partie centre, la région centre du pays, avec 7148 hectares, et la région ouest, avec 2173 hectares. Donc, si vous permettez, donc les wilayats qui ont été les plus affectés durant cette campagne, il y a la wilaya de Tarf, donc avec 19443 hectares, soit 36% du total national. Mais justement, vous parlez des régions qui ont été le plus affectées par ce phénomène catastrophique cet été, les incendies de forêt. Vous parlez essentiellement de la partie Est qui a été le plus touchée, mais on a l'impression aussi que c'est un peu la Kabylie. Oui, la Kabylie, on n'oublie pas que la Kabylie, c'est une région qui se caractérise par des montagnes et c'est une région en même temps forestière. Et la Kabylie... ce qui caractérise la région de la Kabylie, c'est que c'est des régions qui sont habitées. Donc les forêts sont occupées par des populations qui sont des riverains. Et n'oublions pas aussi que plus de 60% des forêts sont des forêts privées. Donc ce qui fait que la présence humaine, elle est sur place. Et donc le risque, il existe aussi. Mais est-ce qu'on a depuis situé les responsabilités parce qu'on a considéré que l'ampleur de ce phénomène est exceptionnelle pour cet été? Non. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous en disant que cette année c'est exceptionnel. J'ai quelques chiffres. Déjà, en 1983, nous avons enregistré 221 600 hectares de surface parcourue par le feu. En 1994, 271 000, plus de 271 000 hectares. En 2012, récemment, 2012, c'est presque 100 000 hectares, 99 000 hectares. Donc le phénomène des incendies de forêt, c'est un phénomène qui revient chaque année. Donc c'est un phénomène que nous considérons comme catastrophe naturelle et en même temps risque majeur. Pourquoi risque majeur? Parce que ça ne touche pas uniquement le patrimoine ou la nature, ça peut créer et causer des dégâts sur les populations et leurs biens. Alors, c'est clair aujourd'hui, il s'est reconnu que c'est l'être humain qui est à l'origine de ces catastrophes et c'est pour la première fois où on parle d'actes criminels en Algérie, puisque si on se réfère un peu au bilan de la gendarmerie nationale, 26 personnes soupçonnées d'avoir provoqué ces incendies ont été arrêtées du côté de la Kabylie de l'Est du pays. C'est le cas cette année? Je confirme qu'il y a eu des arrestations, que ce soit par les agents forestiers, que ce soit par la gendarmerie nationale. Ça demeure des suspects. Donc, et l'acte d'incendie de forêt, il est considéré de par la loi comme un crime. Donc c'est pour ça que... Même s'il est involontaire. Non, involontaire, c'est pas un crime. Un crime lorsqu'il s'agit d'incendie volontaire, c'est-à-dire il y a préméditation, il y a un intérêt quelque part. Donc, et là, ça nécessite des investigations pour définir est-ce que
on confirme l'acte volontaire et l'acte criminel ou pas. Donc l'affaire est entre les mains de la gendarmerie nationale parce qu'elle a cette compétence de mener des enquêtes en ce qui concerne les crimes. Et on attend toujours les résultats de ces investigations. Mais par rapport justement à la question relative à la maîtrise pour circonscrire les feux, chacun se rejette aujourd'hui la balle. D'un côté, on déplore le manque de moyens et d'un autre, on rejette la balle sur les forestiers. Le coupable est tout désigné. Les services des forêts ont la responsabilité de la gestion des forêts. Donc c'est à eux qu'incombe la mission de mettre en place tous les dispositifs d'alerte et de prévention contre les feux de forêt en aménageant essentiellement les accès pour maîtriser les feux. C'est le cas aujourd'hui. Vous êtes responsable de la situation que nous avons vécue cet été. Nous sommes plutôt responsables de la gestion du patrimoine forestier. Effectivement, on est là pour protéger, pour gérer cet espace. Mais nous ne sommes pas les seuls concernés en ce qui concerne le dispositif de prévention et le dispositif de lutte contre les feux de forêt. Le dispositif de prévention et il touche plusieurs acteurs. Entre autres, ce qui est connu, c'est l'administration des forêts, c'est tout à fait normal. Nous sommes gestionnaires et je le répète. Il y a aussi la protection civile qui est chargée de mener les opérations de lutte, mais il y a aussi d'autres acteurs, entre autres les collectivités locales, les travaux publics, le secteur de l'agriculture. Et je m'explique comment ça. Parce que les départs de feu, généralement, ne prennent pas directement. Généralement, ce n'est pas systématiquement prendre naissance à l'intérieur des périmètres forestiers. Le feu peut provenir d'une voie de circulation, donc c'est les travaux publics. Les travaux publics sont censés de prendre les dispositions pour nettoyer les accotements, tout ce qui est axe autoroutier, route nationale, chemin du wilaya. Idem pour les communes. Les communes sont censées aussi nettoyer tout ce qui est chemin vicinal. Pour les agriculteurs qui disposent de parcelles qui sont limitrophes aux forêts, ils sont censés aussi créer des tourniers à la périphérie de leur exploitation agricole parce que beaucoup de feux sont démarrés en pris naissance lors de l'opération moisson-battage. Et vous savez que ça se propage facilement, c'est un combustible de forte propagation. Mais est-ce qu'il est temps pour vous de se mettre autour d'une table pour travailler ensemble au lieu de se rejeter les responsabilités, puisque pour la protection civile, vous parlez de la prévention et de la maîtrise de l'incendie. Eux, ils déplorent qu'il n'y ait pas d'accès pour pouvoir un peu agir rapidement. Écoutez, moi aussi, j'ai entendu certains intervenants du corps de la protection civile, disant que manque d'infrastructures, d'accessibilité au périmètre forestier, etc. Mais ce n'est pas le cas des officiels. Moi, je vais vous dire, ça, je considère que c'est un point de vue isolé. Moi, je vais vous dire une chose concernant, on ne se jette pas, au contraire, on va peut-être se dire, s'asseoir autour d'une table, pour faire, si vous voulez, un retour d'expérience, en se posant la question, pourquoi il y a eu autant de dégâts? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui n'allait pas bien pour pouvoir se rectifier? Moi, je vais vous dire une chose. Beaucoup, seule la protection civile et les forêts sont omniprésents à chaque foyer d'incendie. Alors que je me demande où se trouvent, à l'exception de certaines communes, beaucoup de responsables de communes ne sont pas présents lors de l'opération de lutte contre les incendies de forêt. Là, on se pose la question. Pourquoi lors de l'organisation de la Commission nationale de protection de tout le monde est présent, mais lors de l'exécution de l'action de prévention et de lutte, on se retrouve deux voire trois corps, voire quatre corps dans le cadre de la lutte. Et c'est inadmissible. Est-ce qu'il y a des défaillances dans ce système? Il faut le revoir. Défaillances, je dirais que il y a un manque. Il y a un manque, que ce soit dans le périmètre forestier, que ce soit dans l'organisation et la coordination de lutte. Moi, je vais vous expliquer en ce qui concerne certaines carences que nous avons relevées nous-mêmes. Vous savez que la surface du patrimoine forestier, elle est de plus de 4 millions d'hectares à travers le nord du pays. Ces 4 millions d'hectares à travers le nord du pays se caractérisent par un terrain très accidenté. Donc beaucoup de massifs forestiers se situent au niveau des montagnes. Et les montagnes, c'est des terrains qui sont inaccessibles. Et donc, ce qui nous manque
dans ces milieux, lors des incendies de forêt, c'est cette servitude, c'est ces chemins. Mais on ne peut pas agresser une nature pour ouvrir une piste en cas de... C'est des terrains qui sont accidentés, qui sont bienvenants. Donc, s'il y a des incendies au milieu accidenté, ça veut dire qu'il y a accès dans lieu bien réfléchi, donc ça veut dire que le feu, il est prémédité. Mais justement, terrain accidenté, est-ce que ça nécessite parallèlement des moyens aériens, oui. Canadair, oui. Impérativement, parce qu'il dit certains, ce n'est pas nécessaire. Non, je vais vous dire, non, les moyens de lutte, moi je vais, ils ne vont pas résoudre le phénomène des incendies de forêt. S'il y a un feu, c'est que bonjour les dégâts. Donc s'il y a intervention, ça veut dire on intervient pour diminuer les dégâts. S'il y a un feu, c'est qu'on intervient pour diminuer les dégâts. Les moyens aéroportés ou des bombardiers sont, sont importants pour le cas de l'Algérie, du moment qu'on est en train de dire que c'est un pays qui est très accidenté au nord et c'est inaccessible pour les moyens roulants. Donc le meilleur moyen de lutte, ça reste tout ce qui est aéroporté. Ça c'est vrai. Donc, on souhaiterait un jour voir ces moyens renforcer les moyens terrestres. Et vous avez les moyens pour prévenir contre les incendies? Oui, nous avons, en ce qui concerne les moyens de prévention, d'ailleurs la prévention a ses limites aux travaux. Quant au feu, nous avons des postes de vigie qui sont éparpillés à travers les massifs forestiers. Et ces postes de vigie ont un rôle de surveiller les espaces forestiers. Si jamais il y a un feu, donc on signale le départ de fumée pour déclencher la première intervention. Alors, M. Abdelrani Boumsaoud, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, on a parlé des parties prenantes dans la lutte et la prévention contre les incendies de forêt. Est-ce qu'on peut considérer que toutes les parties se sont réunies pour faire déjà le bilan de ce qui s'est produit et mettre en place un dispositif de lutte plus performant pour les prochaines saisons? Parce que les feux reviennent chaque été. Oui. On ne les prépare pas au mois de juin non plus. Oui. Donc, d'abord, si on va faire un constat, un bilan, si vous voulez relever ce qui n'allait pas bien, relever les défaillances, etc., ça devrait se passer à la fin de la campagne. C'est-à-dire, nous sommes à 3 semaines de la fin de la campagne des incendies. Cette campagne peut être prorogée à un délai si les conditions météorologiques s'avèrent défavorables. Donc on peut proroger d'un mois, donc selon les wilayas. Donc c'est les wélis concernés, c'est à leur appréciation pour proroger les délais de la campagne des incendies de forêt. Quant au retour d'expérience, on doit le faire. Donc, cette fois-ci, nous sommes condamnés à s'asseoir autour du table, ne serait-ce que pour situer ou cibler les grands foyers et qui ont causé les dégâts, que ce soit sur les vies humaines ou sur les biens des populations. Donc je dirais que cette année, exceptionnellement par rapport aux précédentes campagnes, il y a plus de conscience de la part des citoyens et je dirais même des autorités. Donc il y a eu que ces derniers temps l'intéressement de l'ensemble des acteurs concernant le phénomène des incendies de forêt. Espérons que ça va continuer ou se faire pour les prochaines campagnes. Alors, quelles sont les actions qu'il faut impérativement prendre et mettre en place aujourd'hui? Donc, les actions, donc ça dit que... Vous les avez identifiées au niveau des forêts? Oui. Donc, pour les incendies de forêt, pour régler le problème des incendies de forêt, il ne faut pas axer sur les moyens de lutte. Les moyens de lutte servent, à diminuer les dégâts, mais axer surtout sur la prévention. Qu'est-ce qu'on entend par la prévention? C'est que chaque acteur qui a une compétence quelque part, à proximité ou à l'intérieur des forêts, entreprend des actions de prévention. Ceci de un. De deux, c'est la sensibilisation et pas la sensibilisation uniquement dans les écoles. Parce que les causes des incendies de forêt ne sont pas provoquées par les écoliers. Ils sont provoqués par des adultes. Et quels adultes? C'est les profils sont identifiés. C'est des éleveurs, c'est des agriculteurs. Généralement, c'est ce profil de personnes qui utilisent le feu à des fins de besoins domestiques. Donc certains, beaucoup de riverains disposent de vergers, donc les rémanents qui résultent des actions d'entretien sont incinérés. Et l'incinération, on ne prend pas certaines précautions
de prévention, une petite citerne, un seau d'eau, je ne sais pas. Donc, tenir compte des conditions météorologiques, etc., pour pouvoir procéder à ces incinérations. Alors, monsieur Bounsad, est-ce qu'on est appelé à connaître plus d'incendies à l'avenir par rapport à la région de la Méditerranée et le réchauffement climatique? Oui. Ça, dans les années à venir, on sera plus exposé au phénomène des incendies de forêt. À cause de ces phénomènes, des changements climatiques. Donc, c'est la hausse des températures, c'est le déficit en précipitations, ce qui fait que la végétation sera plus, il y aura plus de dissication de cette végétation et ça sera un combustible très, très, très inflammable. Mais ceci, moi je vous dis, parce que pour avoir un feu, il faut trois facteurs. Il faut de l'oxygène, il faut un combustible, il faut une étincelle. Le problème se situe dans l'étincelle. L'étincelle, elle est provoquée par l'homme. Il faut que l'homme cesse d'utiliser n'importe comment les feux, et pendant, surtout pendant la période estivale. Le déficit en précipitation qu'on a connu l'été dernier est à l'origine de ces feux qu'on a connus? Oui, ça a énormément contribué à la dissication, si vous voulez, du couvert végétal. Qui était pratiquement à sec. Oui. Et cette année, je m'excuse de vous interrompre, nous avons connu, durant le mois de juillet, deux mois d'affilée de période de sécheresse très accentuée, avec cinq pics de 44 degrés. Ce qui fait que c'est pour ça que nous avons enregistré durant cette période plus de 80% des incendies ont été enregistrés durant le mois de juillet et le mois d'août. Alors, le patrimoine forestier de l'Algérie représente pratiquement 11% de la superficie globale du pays. Il est l'équivalent de 4,1 millions hectares. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train de le perdre ou on fait tout pour le sauvegarder? Est-ce qu'il a diminué depuis par rapport à ces feux de forêt? Puisqu'on sait que on peut en une heure décimer toute une forêt, mais pour la reconstituer, il faut pas moins de 30 ans. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous dans la deuxième partie. Concernant le taux de recouvrement d'aller 11%, c'est encore pire. Les 11%, c'est par rapport au nord du pays. C'est pas par rapport au territoire national. Le territoire national, nous sommes à presque 1% de taux de couverture. Si on intègre le sud. Si on intègre le sud. Si on n'arrive pas à préserver cette partie nord, ces forêts de la partie nord du pays, on risque d'avoir des conséquences irréversibles. Tels que les érosions hydriques, les embasements qui peuvent causer les embasements des barrages, l'ensablement des terrains agricoles. Et là, on aura des conséquences très dramatiques en ce qui concerne l'économie nationale. Donc, est-ce que ces 4 millions d'hectares, 4,1, on est en train de les perdre? Les 4 millions, je vous dis que la nature, elle se reconstitue d'elle-même, mais à condition qu'elle ne soit pas agressée. Je dirais à fréquence très répétitive, parce qu'un foyer dans une surface qui a été touchée par les incendies, particulièrement en Algérie, nous avons 70% de nos forêts sont constituées de pinèdes. De pinèdes, c'est-à-dire que c'est des forêts de pins. Et les caractéristiques des forêts de pins, lorsqu'ils sont fructifères, s'il y a le feu, elles dissiment tout ce qui est des graines et on peut avoir une très très bonne régénération naturelle de pins. Mais on ne peut pas avoir une forêt, comme vous l'avez si bien dit, du jour au lendemain. Une forêt, comme vous avez si bien dit, c'est minimum pour avoir une petite forêt, c'est 30 ans. La petite forêt, c'est 30 ans. Pour avoir une vraie forêt, c'est 60 ans et plus. Je dirais, parce que si nous avons perdu ces espaces, au moins préservons cette végétation, parce que généralement, la forêt algérienne, elle a plus un rôle de protection qu'un rôle de production. Nous n'avons pas une forêt de production ligneuse. Nous avons une forêt de protection ou bien d'agrément. C'est ça l'affectation de nos forêts. Au moins, préservons ces espaces pour ne pas engendrer ce que je viens de vous dire, c'est ces érosions hydriques. Mais justement, où en est-on avec le programme de plantation d'un million d'hectares lancé déjà, il faut le rappeler, en 1990? Je ne peux vous avancer les chiffres parce que ça ne dépend pas étroitement, mais je vous dirais que l'opération de reboisement, ça ne sert à rien s'il n'y a pas un suivi, s'il n'y a pas intéressement des différents acteurs. Si on plante et on part, je dirais que ça ne sert à rien. Donc une plantation nécessite aussi un entretien. Et c'est cette phase qui fait défaut actuellement. On plante un peu partout,
est différent dans différents impacts, mais ce qui fait défaut, c'est que si on revient dans 2 ou 3 ans, on ne retrouve pas ces espaces qui ont été plantés, que ce soit dans les zones urbaines, que ce soit dans les montagnes. Le barrage vert, son entretien aujourd'hui? Oui, le barrage vert, il constitue un fleuron de l'Algérie, mais il est en train de subir les conséquences des changements climatiques. Et surtout, il est devenu un petit peu vulnérable par rapport à certaines attaques parasitaires telles que la chenille processionnelle, où nous sommes en train de traiter pour pallier à ce parasite défoliateur. Mais est-ce qu'il faudrait reconstituer d'autres ceintures vertes pour préserver le nord, oui, et l'avancée du désert, On est en train d'abord de consolider ce barrage vert. C'était l'ancien tracé. Et en même temps, on est en train de réfléchir à faire l'extension de ce barrage vert dans d'autres zones, comme vous avez si bien dit. Parce que le barrage vert, il a été constitué entre l'isoïe 300 mm et l'isoïe 100 mm. Maintenant, cette isoïe de pluviométrie, elle tend vers le nord. Donc, on est obligé d'épouser le tracé du barrage vert par rapport à ce déficit hydrique. Donc, pour pouvoir arrêter l'ensablement ou le fait de la lutte contre la désertification. La forêt aussi, elle a une portée économique, puisque nous savons, certaines cultures végétales aujourd'hui rapportent énormément de bienfaits, par exemple le liège, où nous avons le halfa également. Pour le moment, avec le reboisement, on ne cherche pas à produire du bois destiné à la construction, à l'exportation. Pourquoi? D'abord, il faut connaître que les conditions du milieu en Algérie ne permettent pas d'avoir du bois, de technologie, d'ébénisterie, etc. Donc, dû que la qualité du bois dans les pays arides ou semi-arides ne peut donner de bon bois. Donc, c'est pour ça que l'importation de bois d'ébénisterie, elle est plus rentable, plus intéressante que d'avoir un bois je dirais de très mauvaise qualité. Donc mais qu'est-ce qu'on peut produire aujourd'hui dans nos forêts? Le liège? C'est le liège. On peut opter aussi pour tout ce qui est les sous-produits forestiers, tels que tout ce qui est plantes médicinales, aromatiques, disons même cosmétiques. On peut opter pour ces créneaux. Et je dis, c'est aussi intéressant. Mais pour le liège, combien on en produit? Parce qu'à un moment donné, on était même exportateur. Et là, on est redevenu importateur. On reste exportateur, mais avec de petites quantités. Sincèrement, je ne peux vous donner des chiffres. Je n'ai pas des chiffres concernant la production du liège, etc. Mais je sais que le liège contribue à l'économie nationale. Alors, certains, par rapport aux questions des auditeurs, ils vous disent qu'on a subi des incendies de forêt cet été particulièrement parce que certains souhaitaient vendre du charbon. Est-ce que c'est le cas? Je ne peux pas démentir, mais possible. Il y a des intérêts dans les incendies de forêt du moment que le feu, il est provoqué par l'homme. Il y a la négligence et il y a les intérêts. S'il y a intérêt, ça veut dire que s'il s'agit d'un feu volontaire, c'est un feu qui est criminel. C'est vrai, nous avons identifié plusieurs charbonnières à travers les espaces qui ont été touchés par les incendies de forêt, et ces mêmes personnes qui ont été arrêtées par les forestiers et la gendarmerie nationale. Ils vous disent qu'il n'y a pas aujourd'hui que les incendies qui ravagent les forêts, il y a aussi cette urbanisation anarchique qui est rapide. C'est le cas aujourd'hui? Oui. La Mitidjan, oui. Par exemple, l'exemple, oui. Hein, édifiant. Oui. Oui, oui, oui. Il ne reste pratiquement plus rien de Mitidjan. Oui, le facteur incendie ne demeure pas l'unique et le seul facteur de dégradation. Il y a d'autres facteurs de dégradation, entre autres l'urbanisation anarchique. Donc il y a usurpation de ces espaces forestiers à d'autres fins, soit l'urbanisation, soit de convertir carrément pour faire de l'agriculture, de l'arboriculture, etc. Ça existe. Mais je dirais que la forêt, même les grands projets doivent tenir compte de ces espaces forestiers. Donc tout projet devrait faire objet d'études d'impact avant d'approuver un projet qui transite une forêt. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport à ces feux de forêt qui ont été un peu déclenchés, un peu particulièrement du côté de la région de la Kabylie et également à l'est du pays, ont été prémédités pour certains par les riverains?
Est-ce qu'on peut le dire? C'est difficile de dire prémédité, ça veut dire que nous avons des preuves matérielles. Il faut avoir des preuves. Ce qu'on est sûr, c'est que ça a été provoqué par l'homme. Je dis l'homme, riverain, population, on peut appeler comme on veut, mais ça provient de l'homme. Généralement, parce que chaque année nous avons constaté après investigation dans ces zones, on prend comme exemple la région, le nord, la région de la Kabylie, en allant vers Béjaïa jusqu'à Djidjil, etc. Si vous transitez par la route qui longe ces massifs forestiers, vous allez constater pendant la période des siècles une multitude de départs de foyers simultanément. Ça veut dire que c'est des feux qui sont provoqués à des fins, je dis, de pastoralisme, à des fins agricoles. C'est pour régénérer le couvert végétal, particulièrement ce qui concerne l'élevage bovin. Alors, si on avait entamé un programme de reboisement depuis l'indépendance, le pays serait couvert à grande partie de forêts. Pourquoi on ne fait que préserver ce qui existe, rien pour créer d'autres espaces forestiers? On en a créé depuis l'indépendance parce que les chiffres n'étaient pas les mêmes. Oui, oui. Si on arrive à préserver ce que nous disposons, c'est déjà, je dis et je considère, c'est un acte non négligeable. Maintenant, créer, il ne suffit pas de le parler. Créer, moi je dis, c'est des phases. Créer, ça veut dire que planter. Planter, ça, cela veut dire faire, assurer l'entretien. Suivre ces parcelles qui ont été plantées. Mais du moment que la forêt est un bien ouvert à tout citoyen, elle est transitée, elle est habitée, elle est exploitée, et qu'il y a ces agressions de par certaines personnes, je dirais, on ne peut pas préserver. S'il y a un paquage, si on plante, il y a un paquage à travers ces forêts. Et vous avez qui les espaces ont été broutés par le troupeau. Cela veut dire que nous avons entrepris une action de plantation sans qu'il y ait mise en défense. Et cette mise en défense, on ne peut pas l'assurer à travers l'étendue de sur 4 100 000 hectares. Mais justement, la forêt est victime aussi du braconnage, c'est le cas? Braconnage, ça existe. La braconnage, ça veut dire que on touche à la faune d'une manière illégale. Donc c'est le cas. Parce que arracher un arbre, même en milieu urbain, c'est un délit. Oui. Et soumis à autorisation, oui, par les collectifs, oui, même par soi. La direction. Voilà, même chez soi. Oui. C'est même un délit chez soi. Même chez soi, il faut une autorisation. C'est devenu un acte. L'autorisation, ça ne veut pas dire qu'on s'immisce dans les affaires des privés. C'est juste pour donner des orientations techniques, pour dire il y a la possibilité de préserver l'arbre, il y a la possibilité de couper, mais il faut conditionner par une autre plantation, etc. Il ne faut pas couper pour couper. Alors certains disent aujourd'hui, une autre question d'un auditeur et la dernière, qui vous disent que ces incendies ont été provoqués par ce qu'on appelle aujourd'hui la mafia du foncier pour récupérer ces espaces. Oh, peut-être qu'il a plus de données que moi, mais moi je ne dispose pas de preuves matérielles incriminant quiconque. Monsieur Abdelghani Bou Messaoud, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon courage. Merci à vous. À bientôt. Merci.